Connaissez-vous l'histoire de la célèbre bovine Dolly? Elle a été le premier mammifère à être cloné avec succès. Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous raconte tout ce que vous devez savoir sur son histoire. La naissance de Dolly. En 1996, des scientifiques de l'Institut Roslin en Écosse ont réussi à cloner un mammifère à partir d'une cellule adulte pour la première fois dans l'histoire. La naissance de Dolly a été présentée au monde entier le 5 juillet de la même année, faisant d'elle le premier clonage réussi par transfert nucléaire de cellules somatiques adultes chez les mammifères. Il est temps de vous mettre à l'épreuve. 5 mois après la naissance de Dolly, des tentatives ont été faites pour cloner un deuxième mouton. Connaissez-vous le nom de la première brebis clonée transgénique au monde? A. Brebis Molly. B. Brebis Polly. C. Brebis Loli. Laissez votre réponse dans les commentaires et restez jusqu'à la fin pour savoir si vous avez bien répondu. Un phénomène controversé. Le cas de la brebis Dolly a suscité beaucoup de curiosité dans la société, mais aussi des craintes et des doutes moraux. Ian Bilmuth, connu comme le père de la brebis Dolly, a pris clairement position contre le clonage des êtres humains. Cette prise de position a abouti en 1997 à la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'UNESCO qui interdit explicitement le clonage humain. Qu'est-il arrivé à Dolly? La pauvre Dolly n'a vécu que 6 ans, soit environ la moitié de l'espérance de vie des moutons de sa race. Cependant, pendant cette période, elle a eu au total 6 descendants, ce qui démontre la fertilité et le potentiel reproductif des mammifères nés par clonage. Malheureusement, elle a été euthanasiée car elle souffrait d'une maladie pulmonaire et d'arthrite. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé que le développement de ces maladies était lié à sa condition de clone, pensez-vous que cela valait la peine de faire des expériences avec la célèbre Dolly? Planète Animal condamne toute forme d'expérimentation animale. Et vous? Que pensez-vous de tout cela? Il est temps de répondre à la question. La bonne réponse est la B. La première brebis clonée et transgénique s'appelait Polly. Le saviez-vous? Enfin, si cette histoire vous intéresse, ne manquez pas cette vidéo sur Laika, la chienne astronaute. À bientôt sur Planète Animal.